Je ne pensais pas si bien dire hier en finissant le troisième épisode sur la Snapshot 21W16A en disant que j'allais refaire un. Enfin, qu'on allait se retrouver lors d'une prochaine Snapshot. Et puis, ben voilà, on est le 28 et voilà la nouvelle, celle qui vient de sortir, la 21W17A. Et ben, je m'empresse de partir dessus et modifier donc cette version. Allez, on va voir ce que ça donne. Je sauvegarde et j'ouvre cette fois-ci. Je suis pas téméraire, j'aime pas envie, trop envie de perdre ce que j'ai déjà commencé à construire. Alors, j'ai regardé vite fait les quelques éléments indispensables, importants de cette nouvelle snapshot. Bon, ça concerne toujours et ça sera le cas hein, jusqu'à la sortie complète de la version 1.17 des éléments de correction sur. Correction ou amélioration sur les caves. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que on allait avoir des nouveaux minerais qui allaient donc être modifiés. Donc, on va aller vérifier ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? La génération en fait de caves allait être un petit peu différent. Alors là, le problème, c'est que si je me rends sur une cave qui est déjà existante, est-ce que je vais avoir. C'est quoi ce bruit? Est-ce que je vais avoir cette possibilité? Bon, eh ben écoutez, on va partir tout de suite dans une cave et puis on verra bien. J'ai juste un doute, c'est que suite à l'attaque que j'ai eu une attaque villageoise dans ce village, et j'ai l'impression qu'il y a un personnage ici qui a disparu. Et c'est lui qui me fournissait ma pioche en fer, enchantée. Alors ça me fout juste un peu la haine, bon même si j'ai encore ce qu'il faut en stock, mais c'était quand même pas mal de pouvoir échanger quelques émeraudes contre ça. Bon, en attendant, je vais faire une descente rapide, non pas si rapide que ça, je vais quand même faire le ménage. Le chat, non, le chat, arrête. Hop, ça on range ici, ça je vais le ranger ici aussi, j'ai pas trop le choix. La selle, j'en ai pas besoin. Et oui, j'entends. Comme s'il y avait des zombies pas loin. Hop. Ça, je vais pas en avoir besoin dans la cave, ça non plus, mais je vais pas le mettre ici. Ça, je pourrais en avoir besoin, ça non. Et ça non plus. Allez! Inoucha, pousse-toi. Ça va se ranger ici. Ça aussi, en attendant. Puis allez, ça aussi. Ça, je vais le mettre là aussi. Je serai peinard. Allez, zouf. Je descends directement par là. Il serait peut-être bon que je commence une nouvelle partie. Je sais pas. Je vais aller voir l'état général de cette. De cette cave. Commence à la connaître un peu, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un à nous attendre en bas? Oui, vous voyez. Il y a toujours quelqu'un à nous attendre en bas. Et moi, j'ai mes chats. Hop. C'est bien pour ça que je prends des chats. Alors, est-ce qu'on peut aller par ici? Il n'y a pas grand-chose ici. Ok, on tourne en rond. Les minerais. Bon, bah là, les minerais, moi, j'ai pas le sentiment de voir des blocs de minerais vraiment très, très changés. Il y a vraiment. Pas une évolution, mais ça arrête pas de, ils n'arrêtent pas de modifier hein, la texture des blocs de minerai depuis la 21W15, je crois. C'est assez flagrant. Et bah,
Bon, je vais pas être méchant, mais ça donne un peu le sentiment qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Après, peaufiner pour peaufiner, bon, pourquoi pas, mais est-ce vraiment nécessaire de se prendre la tête avec des blocs de charbon? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais autant le résultat quand on a miné le bloc est sympa, mais autant là, bon, il pourrait y avoir un effort aussi. Et pour l'instant, c'est plutôt sur le cuivre, le fer et l'or qu'il y a eu des changements. Alors, on va essayer de trouver ce genre de minerai. Pour le fer, on l'a vu, hein, moi je vois pas, enfin je trouve pas ça flagrant, quoi. Allez, hop, on passe à celui-là. Allez, je mets un peu de lumière, mais ouais, enfin voilà, c'est pas. Si j'avais un toucher de soie, je pourrais prendre les blocs directement comme ça et les mettre les uns côté des autres, comme on peut le voir éventuellement sur la news sur le site officiel de Minecraft. Ouais, je vais pas aller chercher là-haut, ça fait un peu loin. Quoique. Bon, on pourrait se permettre, hein. Une petite montée comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'était ça la dernière fois. La force d'entendre. J'ai quand même été creusé pour voir. J'arrêtais pas d'entendre des grognements et je me disais, bah non, il peut pas y avoir de zombies par ici. Et bah si, il y en avait. Avec un petit générateur de zombies. Dans les autres nouveautés, mais je ne sais pas où les trouver, en jouant hein, pour de vrai, c'est-à-dire que si je me mettais en mode créatif, je pourrais vous montrer ça, mais ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Il faudrait que je trouve des blocs de mousse, aïe, et des folgiotes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est quelque chose que j'ai déjà vu, mais proposé par un marchand ambulant. Et je ne les ai jamais vus en réalité dans les biomes, quoi. Bah ça y est, je dois arriver tout en haut, là où il y avait. Je vais revérifier, mais. Bang! Va prendre du dégât. Ouais, c'était bien ça. Ah oui, dans les autres, ils étaient tout là-haut. Allez, on repart. Les chats, si vous pouvez éviter de me pousser. Donc on a dit que c'était peut-être par là. C'est ça. Non, pour moi les blocs ne sont pas vraiment ultra modifiés non plus, hein. En même temps, comme je vous disais, je suis toujours sur la même partie. Bref, normalement, j'ai bien chargé la nouvelle version, la nouvelle snapshot. Donc, je devrais avoir les modifications visibles. Je pensais à ça par rapport à la génération de nouvelles caves. Je vais peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, sortir de cette cave-là. Raison de la gueule hein, quand même, parce que là il y a de quoi encore faire hein, tout là-haut. Si j'avais le biome avec le bambou et si je pouvais faire des échafaudages, je me ferais des échafaudages dans toute cette grotte là pour pouvoir grimper tout là-haut. Parce que là on est vraiment très très bien placé du bas avec des cristaux. De l'obsidienne. Il y a même une mine abandonnée. Enfin, c'est vraiment une très très belle mine. Pardon, très très belle cave. Ouais, non, il y a de quoi faire ici. Il y a de quoi faire et il y a de quoi passer des heures là-dedans.
Tiens, salut toi. Ouais, non, alors là, je me la joue vraiment trop cool. Faut que j'arrête vraiment, parce que là, je... Un jour, je vais me faire baffer hein, à cause de ça. Vraiment trop bénaise, trop tranquille. Allez, je trouve la sortie et on essaie de chercher une autre cave. Bien, on va s'arrêter là pour cette petit épisode. On a vu donc quelques éléments à propos des minerais. Bon, comme pour la première fois, le premier épisode de la Snapchat précédente, moi je suis pas convaincu par ces modifications qui, à mon avis, n'apportent pas grand-chose. On est vraiment dans du détail. Et puis je vais me renseigner, je vais voir un petit peu pour ce qu'il en est de la génération de nouvelles mines, de nouvelles caves, voilà, pour voir si effectivement je peux aller trouver une nouvelle cave qui je n'aurais jamais visitée et qui donc se générerait. Et je vais peut-être tenter une partie spécifique, pas une suite de celle-ci, quoi. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt.
portez-vous bien et puis n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents sur la chaîne. À bientôt.